Et donc, nous en voilà. J'avais dit que j'allais explorer la suite de Mule Sentir de l'Ombre avant de m'attaquer à cette zone. C'est ce qu'on va faire, et sinon on essaiera de passer par cette porte. C'est bien ça. À l'intérieur, vous avez trouvé blablabla, elle est verrouillée, le trou de serrure est une mince ouverture, oui. Donc c'est bien ça. Et ben on va sortir. La sortie c'est pas par là, c'est par là. Alors oui, je voulais explorer, je voulais explorer. Je voulais explorer, il y a une porte ici, bloquée bien sûr. Une clé spécifique, c'était évident. J'ai pas regardé, est-ce que je me souviens de ses stats à elle? Oui. Oui. Non, j'ai pas vu tes stats. Elle a que dalle, elle a pas de gants, elle a pas de cap, pas de poignet, pas de casque. Et ça va, ok. Et demi-céleste, oui. Quelques sorts, pouvoir. Ah oui. Bon, maintenant que j'ai quand même Suivez-moi! trois vraies personnes avec moi, j'espère que le jeu va être un peu plus simple parce que là, c'est assez bizarre. Je le redis à chaque fois. Mais la difficulté du jeu est assez étrange. Ah bah bagarre. Bagarre. Les gars, faites ce que vous voulez. Hein. Les gars, faites ce que vous voulez, mais faites. Et je suis mort. Parce que c'est des morts vivants. On va voir comment le CPU gère. Ah, je suis revivant. Je n'ai pas compris. Pour le moment, il gère bien. Pour le moment, il gère bien. Il y a une invoque. Il y a des trucs et des machins. Je me fais pas trop toucher et ça se passe bien. Ok. Donc premier éliminé, deuxième éliminé, toi, âme en peine. Pour le moment, ils sont ok. Ah, il y a quand même pas mal d'ennemis, ouais, en fait. Ouais. Tac, et je me suis. Oh, je me suis fait. Ok. Oula, ça tremble, ça tremble. Il y a encore deux ennemis. Deux ennemis, et ça va. Ça va super bien. Bon, lui, il se prend les dégâts de l'épée. Et bah, dis donc. Et bah, dis donc, je suis. Je... Oh! Ouais, elle m'a soigné. Restauration suprême. Oh, elle m'a soigné. Trop sympa. Héliotrope, pièce d'or. Oh, oui, un peu d'argent quand même. Je lui ai acheté du stuff à elle, je pense. Qu'est-ce que j'ai découvert ici? Le scriptorium. What the fuck? Oh. Ah, on est sur. Ah, ok, on est sur un bail de. Ouh. Oh, il y a du lore. Oh, vas-y, il y a du lore. Ce crissement que vous entendez, ce sont les esprits des scribes qui recopient les textes sacrés de Myrkul, même dans la mort. Ah, mais. Ah, t'es en train de me dire que. T'es en train de me dire que ces machins là. Tu me fais. Alors, tu me fais un peu peur. Là, j'avoue, j'ai un petit peu peur. On va se. On va établir le campement. Ça se trouve, je vais me faire réveiller parce que j'ai aucune chance. Ah, non. 8 heures sont passées. Parfait. Et je vais sauvegarder, évidemment. Et est-ce que je peux au moins les voir sans me faire défoncer? Semble-t-il que oui. Semble-t-il que j'ai le droit. Bon, on va regarder un petit peu. Étagère presque vide, comme tout ce qu'elle contenait comme objet de valeur avait été soit pillé, soit déplacé. Les rares volumes qui restent sont en piteux état. Ok. Semble totalement vide. On devine sur ces rayons contours des livres qui étaient auparavant disposés. Ok. Presque vide, comme si tout ce qu'elle contenait de valeur, ouais. Là aussi. Là aussi. Ok, donc tout est vide. Livre immense, étagère, étagère.
Étagère, 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 ok. Gong. Oula, 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 oula. Non, 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 non. Les pages de cet immense livre sont griffées d'une écriture de plus étrange sang, d'une sorte d'inventaire au registre. Vous n'avez pas en déchiffré l'écriture et pourtant elle vous est familière. Un enchantement vous interdit de tourner les pages de ce livre. Oh. Et là-bas, c'est la même chose. Est-ce que par hasard, juste par hasard, il y a un gong. Ce gong doit faire quelque chose. Je prends le risque. Plusieurs scribes fantomatiques se matérialisent. Ouch. Oui. Oui. Plusieurs scribes. Et ils sont où? C'est-à-dire que je les vois pas. Ou alors je suis bête. Ou alors je vais me faire attaquer. Oh. Je ne les vois pas. Bon. Tant pis. Et cette dernière salle. Oula. Oula. Oulala. Là là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je suis terrifié. Il y a un truc très très bizarre. Chevalier de la mort. Oulala. Là là. Ça par contre, ça sent le combat. J'ai déjà sauvegardé. Oula. On va leur parler. Qui... Ah. J'ai même quitté cet endroit une fois. Ah. Ah. What? Oh, je viens de me faire. Oh, what the fuck? What? Wow, je viens de me faire défoncer. Ah oui, non, 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 il faut pas. Oulala, il faut pas. Hein. Oh, aïe, aïe, what? Ah oui, non, 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 oulala. Hein. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller ici? Je crois pas. Hein. Ah, mais ils vont mourir. Ils vont Eh, mais ils arrivent quand même à les blesser. Ils arrivent quand même à les blesser, les deux là. Je vais aller jusqu'au bout du combat quand même parce que. Il se passe quelque chose. Ah, elle a invoqué une épée de Mordor, Kaiden. Ah oui, mais. What? Oh, lui, ils vont bientôt mourir s'il y a encore un sort de zone. Les volubiles, a priori, sont morts. Oh, bah. Ok, bah, il reste plus que lui et une âme en peine. Ah bah, il ne reste plus que lui. Oh, puis elle a augmenté son niveau. Mais ils sont trop forts maintenant. Je m'attendais absolument pas à ça. Je vais les laisser se débrouiller. Ah, ça c'était la dernière volubile, je pense. L'âme en peine. Ils ont épuisé toute la magie. Pas encore. Ah non, il reste encore un petit peu de magie. Mais ils sont trop forts. Il en a invoqué une deuxième. Il en a invoqué une deuxième. Mais comment c'est possible? Ah mais elle a moins de vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup moins de vie. Ou alors, il doit y avoir un enchantement de je sais pas quoi. Ah oui, tu m'étonnes, le jet d'armure est augmenté. Moi, je reste là mort, mais j'observe. Par contre, les gars, il faut attaquer. Ah, voilà. Ah, encore un tout petit peu. Encore un petit peu, si vous pouvez, s'il vous plaît. Ouh. Oh, ça, c'est du buff. Ouh, ça, c'est du buff. Alors maintenant faut attaquer. Allez. Ah, ça y est, ils attaquent.
Bon bah maintenant on attaque mon grand. Voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, encore un petit peu et on y est bientôt. Allez, allez, on y est presque. Allez, allez, il reste une petite barre, un tout petit PV, un tout petit pixel. Allez, il reste plus que rien. Allez. Ah, je sais que vous pouvez le faire. Bien joué. Puis vous êtes trop forts. Ils sont juste trop forts, ces PNJ. Mais je... Voilà, et là. Hop là. Oui. Bah, impeccable. Bon, on va choper les restes. Oh là là. Mais incroyable. Clé du chevalier. Clé du chevalier de la mort. Cette clé trouvée sans cheveux. Oh. Alors ça. Ça c'est très intéressant. Oui. Ah non, attends, pardon. Oui. Oui. Ah non. Ah zut. Oui. Attendez, ça c'est un petit peu. Attendez, ça veut dire que là la forteresse on peut se la faire. Oh mais let's go en fait. Contenant. Oh. Il y a un milliard de choses ici. Et un tambour. Ok, il y a quelques objets non identifiés ici. Je vais quand même prendre le temps de savoir ce que j'ai trouvé. Alors une pierre d'ombre, ça d'accord, bla, héliotrope. Alors clé du chevalier de la mort, ça c'est intéressant. Tambour des morts, oh. Barde. Ok, je perçois. Il est pas barde lui, non. Chaman, magicienne, prêtre. Ah, il est pas barde. Oui. Ok, tant pis. Poche magique. Pardon, poche magique. Pas l'imitation des sacs sans fond, ces créatures mineures n'offrent qu'un lien avec les plans lointains. Les objets y sont stockés, existent encore et conservent donc une partie de leur masse sur le plan matériel. D'accord. Propriété spéciale, poids réduit de 20%. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas trop mal en vrai. Hein. Oh, je sais ce que je vais mettre dedans. Je sais ce que je vais mettre dedans. 142 places. Wesh. Je mets toutes mes pierres dedans. Ça va un tout petit peu les faire baisser, mais pas grave. Ah ouais. Ah non, non, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Et c'est à nous. Alors, c'est à nous. J'aimerais que Safia, avec son intellect supérieur, me dise ce que c'est. N'est pas trop mal. Hein. Oui. Safia, d'ailleurs, qui a augmenté d'un niveau. Anneau de danseur d'os. Magie de mort. Pas d'instant soudé. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, mais attends, elle a... Oui. T'as pas d'anneau, toi? Si, elle a quelques anneaux, anneaux de puissance, anneaux de protection. Mm-hmm. On a tous des anneaux. On a tous des anneaux, on a tous des anneaux. Ouais, je vais quand même... Oui. Je vais quand même le garder pour moi. Et ouf. Ok, ok, ok. Pas mal, pas mal tout ça. Safia, oui, tu as gagné un niveau. Donc, il est temps de passer ton niveau. Hop, magicien, on va recommander. Alors, quelles sont les deux sorts que tu vas avoir? Changement de forme. Le lanceur se transforme temporairement en créature de destruction suivante. Géant de feu de givre. Géant de givre de feu, diable cornu, ténébreux bipède ou golem de fer. D'accord, pourquoi pas. Disjonction de Mordenkainen. Oh. Sort permet d'annuler tous les effets magiques sur une cible unique qui peut être obligée de contre un groupe. Là, les sorts sont efficaces. Ça me paraît pas mal. Je prends. Plus 7 de P... de points de vie. Pas mal du tout. Eh ben écoutez, hop. Repos. Et ouais. Et puis on va retourner à la porte. Personne ne s'est manifesté. Mais la mission peut continuer. Ah oui, il y a ma petite créature qui est morte, mais c'est pas trop grave ça. Du coup, cette clé, elle va ici, mais est-ce qu'elle va dans la porte ici? Attendez, c'est ma question. C'est une question légitime de...
Voilà, vous voyez, Cage est revenu. Par contre, comme d'hab, Cage, il est là-bas. On va lui donner l'ordre de le suivre. J'ai quand même utilisé sur cette porte-là. Dans le loot. Ah, où j'ai perdu. Je le sais. Ah, on me la fait pas, moi. On ne me la fait pas, je savais. Je le sentais qu'il allait avoir un petit truc en plus. Genre une deuxième partie. Alors. Oula, oula, oula. Et ben on est reparti. On est reparti pour la bagarre. Épatez-moi, mesdames, messieurs, les PNJ. Où je me prends déjà un max de malus dans mes dents. Alors, il y a une, deux, trois, quatre personnes. Et il y en a déjà deux qui se sont pris. Qui se sont pris déjà pas mal. Mais je suis avec des gens vénères dans leur vie. Hein. Bon, voilà, je suis mort. C'est pas grave, regardez, hop. Ah, mais c'est Kéline, elle a un sort de résurrection, mais trop bien. Hop, hop, et puis voilà. Et puis voilà. Alors attendez, pause deux secondes, voilà. Mais je suis avec des gens ultra vénères. Il reste qui? Bah, on a fini. Bah, non, vous pouvez vous arrêter, les mecs. Arrêtez, je vous en conjure, arrêtez, je vois plus rien. Par contre, il casse tout. Par contre, il casse tout, c'est. C'est un peu drôle. Ah, une dague non identifiée. Oh! Attendez. Gan vient de passer son niveau. Gan, tu as passé un niveau. Écoute, alors déjà, vu que tu as passé ton niveau, tu prends ça. Oui. Voilà. Oui. C'était... non. Ah, la vache. C'est compliqué. Bougez pas. Des pièces. Guérison suprême, des pièces, et il y avait... Ah ouais, il y en a là. Outil de voleur, pour moi, bien sûr. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Il me semblait avoir... Ah ouais, il en restait un. Voilà, j'étais pas fou. Alors, Gan, niveau suivant. Bon, let's go. Il est quand même beau. Il est quand même un petit flou, je trouve. Chaman spiritique, vas-y, mets tout. Alors, ton prochain don, c'est quoi? Magie de guerre. Capacité de lancer des sorts de niveau 1. Des sorts en combat, en mode incantation. Pas mal. Et du coup, il débloque 3 sorts. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, qu'est-ce que t'as envie? Nuit élémentaire. Convoque un élémentaire de l'air de 24 DV. Alors, je sais pas ce que c'est, DV, malheureusement. Il sera loin jusqu'à la durée du sort ou jusqu'à ce que ceci succombe, ok. Si l'élémentaire meurt avant la fin du sort, l'élémentaire de l'eau de 24 est automatiquement convoqué pour le remplacer. Oh! Puis ce sera autour d'un élémentaire de terre et enfin... Ah oui! Ah oui, donc ça fait une boucle tant qu'il n'est pas mort. Pas mal. Noyade de groupe, ça en génère de l'eau dans les poumons de sa cible, les créatures perdent 10% de ses points de vie actuels. Waouh! Convocation de créature 9. Convoque un soigneur élémentaire. Mais vas-y! Mais comment ça se fait que le jeu devient facile actuellement? Là, le jeu est devenu vraiment facile. Et un parchemin. Ok. Alors. Gan, pardon. Oui, tu as une sale tête parce que tu as des bonus. Résurrection. Oh, résurrection, c'est pour toi. C'est ton premier sort. Et une dague plus 2. Oui. Qu'est-ce que t'as comme arme, toi, bouclier et une masse plus 4. Faudrait que je te donne un truc un peu meilleur. Ok, pas mal. Et en vrai, j'ai envie de continuer comme ça. Oh, je prends le... Eh, vous savez quoi, je prends le risque de continuer tel quel. Ah, et là, on arrive dans des... Les sons que vous entendez sont produits par des fantômes. Ne les laissez pas vous distraire. Ah. T'es en train de me dire qu'il y a des fantômes dans ces prisons. Oh, et quand même, hein. Je ne veux pas dire, mais ça en jette un peu les plans de l'ombre. Je pense que même si le jeu est dur et un poil, je dis bien un tout petit poil, mal géré dans la difficulté, parce que
on en revient à cette difficulté, je le sais constamment, mais il y a un pic de difficulté, puis on a un perso qui arrive, qui le fait redescendre, et d'un seul coup ça remonte. Et là j'ai l'impression qu'on a un perso surpuissant, que j'ai dû convaincre évidemment, donc ça joue un peu au hasard. Et là c'est devenu si simple. Nombreux sont ceux qui sont morts ici. Leurs esprits sont partout, épais comme un lourd brouillard. Ok, donc t'es en train de me dire, voyez voir là. Tu me le dis s'il y a la bagarre, ma grande. Tu me le dis s'il y a la bagarre. Moi, je suis prêt à accepter la bagarre. Et on va faire la bagarre. Tu le sais. Moi, j'ai pas peur. Oula. Oula. Oula là. Alors, attends. Fournaise. Fournaise. Oh, merde. Oh. Oh, what? Ah, ça a paru direct. Ah, c'est l'esprit des morts. C'est l'esprit de tous les morts. Ah bah là par contre ouais, oui, bah oui, c'était. Non mais c'est... Ouh, pas mal le petit sort de zone. Moi je vais mourir, c'est sûr et certain. Mais alors, je compte sur tout le reste pour me mettre des petits bonus. De. Ouais, il y a un 149 qui a volé. Oh, mais regardez ça! Mais qui. Mais c'est elle! C'est elle qui est devenue ultra pétée en fait. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des. Oui. Les âmes en peine comme ça. Oui, et voilà. Et ben les âmes en peine, c'est terminé. Les âmes en peine, c'est terminé. Juste, voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. C'est la débandade. C'est la débandade. Je n'étais pas prêt. Je n'étais... Non, non. Là, il reste... 2, 3, je vois 4. 4 à mon. Non, 3. Bon, bah 2 du coup. Ah! Oh, élémentaire de l'eau. Noble. Ok. Ok, et le. Pardon. Ah, ça par contre, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Châtiment du mal touché. What? Allez, allez, il reste pas beaucoup de vie. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire au cac. J'ai confiance. Mais c'est incroyable. Oh, je pense que moi, je vais bientôt passer mon niveau. Hein. C'est incroyable. Ils sont ultra, ultra vénères. Je pense que... Ouais, j'aime beaucoup ce qui se passe. Ah, si j'avais su... Bon, j'essaie toujours pas d'utiliser les essences et ça se trouve c'est ma faute. Mais waouh. Oh, attendez. Il y a encore des drops. C'est juste qu'il y en a partout. C'était le dernier. Ah. Ouh. Le prêtre. Oh, le prêtre. Bonjour. Allez, vos ans, vous ne trouverez aucun réconfort dans la chair de cette fournaise. Bien trop d'esprit, ils sont les gens prisonniers. La fournaise est pleine. Elle est pleine, bondée, saturée, il ne reste plus une seule place. Alors, ne m'importez. Ok. Que se. Ah, l'enfant. L'enfant. What? Un enfant? Encore un fidèle qui désire rejoindre la multitude. La multitude? Ce n'est rien, enfant, retourne dans ta chaleur protectrice. Mais ne le sens-tu pas, contrairement aux autres, celui-ci est compatible avec le multitude. Laissez les esprits parler. Il ne peut ni te voir ni t'entendre. Ah mais si. Ne te berce pas d'illusions, prêtre. Si tu es aujourd'hui la voix, c'est uniquement parce que je t'ai protégé de la colère de la multitude. Oh. C'est moi qui t'ai nourri et élu. Ok. Comment pourrais-je oublier? Tu n'as cessé de me répéter que depuis. Ok. What? Pourquoi parlez-vous seul, prêtre? Oh. Oh, si je... Oh, vas-y. Qui est cet enfant? Parlez-vous d'être imaginaire? Avez-vous autre chose dans cette pièce? Ah, Gan, si tu savais. Je ne distingue que l'esprit du prêtre, mais je ressens une autre présence. Tu as raison, Kaylin. Je te l'avais demandé, il ne peut me voir et m'entendre. Je vais chercher la brute. Il doit absolument voir ça. Pas la brute! Pourquoi pas la brute? Ah. Mais attendez, vous êtes combien là-dedans? Enfin, vous êtes où, surtout? Vous êtes où? C'est ça ma question. Vous êtes où? Oh là. Ouah, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette.
Oh, cette fournaise! Oh, yaya! Waouh! Retourne dans la fournaise, aime-toi, meurtrier, blablabla, silence, je quitte cet endroit pour aller égorger le reste de ta famille, tu ne pourras jamais quitter la fournaise, en même temps si je te rappelle que toute ma famille est morte de tes mains. Jour et nuit pour venger le meurtre de ma femme et de mon fils, quoi? What? T'as oublié que je t'ai craché au visage, alors... Je vais rien faire, je vais laisser se démerder. C'est bien peine de me réveiller, je vais avoir du mal à retrouver une place confortable, je t'en prie, reste silencieux désormais, ne t'en fais pas, les suivants n'aiment guère être ignorés, si je ne réponds pas, ils finiront bien par s'en aller. Ah! Bah je... Ah, mince, fallait que je réponde. Dans la fournaise du dieu de la mort, vous avez trouvé un sacrématorium dans la fournaise, ouais, l'esprit d'un ancien... Oh putain, quand vous entrez en moyen de le faire parler. Ah! Revenez plus tard lorsque vous aurez trouvé un moyen de le faire parler. Oula, oula, il y a mon personnage qui a eu un peu de mal. Ah mais on a brûlé tous les corps. Est-ce qu'on doit fouiller les corps? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit faire? Comment ça se fait qu'il y a énorme... Pourquoi il y a énormément d'agates? Est-ce que l'agate a une signification? Attendez, examinez. Pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait un quelconque rapport ou quoi que ce soit ou quoi qu'est-ce. Il faut que je le fasse parler. Mais du coup, j'ai utilisé ma clé pour que dalle en fait. J'aurais dû ouvrir l'autre porte. Ouais, c'est vraiment une ambiance particulière cette histoire. Alors, maintenant il va falloir réfléchir. Le prêtre ne veut pas me parler. Pour cette quête-ci, il faut que je trouve un moyen de le faire parler. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois trouver pour qu'il me parle? Est-ce que je dois fouiller quelque chose? Est-ce que je dois essayer d'ouvrir la porte, même si je n'ai plus la clé? Ce qui va du coup être un peu complexe. Il n'y a pas d'ossement ici. Ah, attends, il y a un vestige. Que j'ai raté. Ouais, une agate de l'or. Urne. Oh, un anneau. Ah. Ah, les urnes, elles sont protégées par des amants peines. Bah oui, logique. Ah oui, du coup, c'est normal. Oula, mon curseur était un petit peu bloqué. Ah, et là, il reste... Je l'avais pas vu, lui. Par contre, lui, je l'ai vu. Bon. Il va falloir réfléchir. On est du coup d'accord que cette porte-là... C'est fini, c'est mort, je peux rien faire. Oh, crochetage, non mais... Je peux rien faire. Oh! Crochetage forcé. Non, je peux rien, attendez. Oh! Qu'est-ce que... Bah... Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Cette mosaïque au carreau noir et blanc, elle dépeint une... Ouais. Au centre de la bataille, vous remarquez un puissant guerrier affrontant un gigantesque démon. Il tient à la main une épée d'argent en forme bien particulière. Cette épée que vous connaissez, c'est la lame de Git. Connaissez-vous cette épée de guerrier qui la porte s'appelait Akashi, parfois surnommé le parjure pour pouvoir mener une révolte contre son dieu. On raconte que son épée était faite d'argent et qu'elle pouvait blesser mortellement l'esprit de ses ennemis. Et mosaïque, la mosaïque. Humain, démon terrifié, céleste et même un dragon cornu, chaque combattant est représenté avec force détail. Ça veut rien dire. Malgré vos efforts, ne parvenez pas à déterminer qui se bat contre qui. Certains humains semblent alliés aux démons, tandis que d'autres les affrontent. Le guerrier portant la lame de guide se bat manifestement contre les démons aux côtés d'autres humains, des célestes et des dragons, une bien étrange alliance en vérité. D'accord, et l'autre côté, est-ce que c'est la même chose?
Oh, le fait le spectacle offert par Mosaïque est absolument saisissant. Vous pouvez presque sentir l'odeur de sueur et de sang entre les cris des mortels. Humain démon, chaque truc truc malgré vos efforts, vous ne pouvez pas non, le carrier pourtant à l'âme de quitter machin. D'accord. Mais ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Alors là, je suis, comme qui dirait, bloqué. Je vais quand même essayer de faire le tour, savoir ce qu'il faut faire, et dans tous les cas, je ferai un cut et je reviendrai quand j'aurai trouvé quelque chose. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que les professionnels font. Attendez, il y a des scribes. Oui, je le vois lui, ça y est. Ah, chute. Ah, premier scribe. La silhouette fantomatique se tourne vers vous lentement alors qu'elle pose son regard sur vous. Vous apercevez dans ses yeux une lueur d'étonnement. Les yeux étrempris sont gravés sur votre âme, suppliant vous mentez au reste du monde et le reste du monde vous ment. Ah bah super. Vous ne trouverez pas la vérité entre ces murs, mais lorsque vous verrez enfin les mensonges qui vous entourent, vous reviendrez vers nous. Je ne comprends pas. Mes yeux lisent les mots sans en comprendre le sens, ainsi a-t-il toujours été. Je suis Déomidas, premier scribe et dévoué serviteur du Seigneur des Eaux. Tout ce qui passe les portes de mon Seigneur est consigné dans ses recueils. Oh. Ni moi ni mes scribes ne gardons le moindre souvenir de ce que nous consignons. Nos écrits sont l'âme et le mémoire de forteresse de Myrcule. Ça me dit quelque chose, Myrcule. Oh, comment faire Alors j'ai deux choses. Comment faire pour aller ouvrir la porte menant au niveau inférieur? Ah ah, j'ai un indice. Notre grand prêtre détenait la clé, mais j'ignore ce qui est devenu de lui. Nos archives ne le mentionnent pas. Très bien. Et le parchemin des lamentations? Le fantôme se penche entre les normes livres et puis son yeux se met à lire à voix basse. Bien que les mots vous semblent familiers, vous ne parvenez pas à en saisir le sens. Le parchemin se trouve aux archives des niveaux inférieurs. Bien sûr, évidemment, c'était trop facile. Myrcule, notre dieu régnait. Ouais, d'accord, ensuite c'est du lore. Comment est-il mort? Je sais seulement que notre seigneur est mort loin d'ici, à un âge où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Nous étions déjà morts à cette époque et notre forteresse était presque abandonnée, mais nous avons ressenti sa chute. Et pourquoi êtes-vous encore ici? Nos mots se lient à la forteresse de notre seigneur, oui, il y a longtemps, très bien. Puis vers la grande trahison. Oh! Lorsque vers l'heure des comptes, Myrcule nous jugea qu'on n'a désormais plus aucun nouveau scribe, plus jamais nos noms seront. Oh! Qui était ce parjure? Alors je peux intuition? Oh! Attention, crise. Attention, intuition! Oh! C'est le nom de notre traîtrise en effet, un bien joli masque pour cacher un visage hideux, mais quittez ce parjure. Akashi, le grand prêtre de notre temple. Tiens. Le parjure, comme certains l'appellent, mais ça me dit. Vous n'avez rien commis. Vous ignorez la nature et l'ampleur de la trahison, mais nous avons toujours estimé. Oh, d'accord. Et que contient. Non, je peux le dire moi. Que contient cette forteresse, nos archives? Quels sont les ouvrages? Chaque livre de la foi apporté au sculpteur est copié. Très bien. Chaque tome. Ok. Reste-t-il des trésors? Nos trésors ont été. Ah, la grande trahison, mais c'est. Très bien. Est-ce que c'est aussi une prison? Je voudrais vous parler d'autre chose. Au revoir. Oh bah. Eh bah, j'ai appris pas mal de choses. Comme quoi il fallait juste bien regarder. Il était caché en même temps derrière son grand livre. Donc là j'ai une information. J'ai une information et pas des moindres. Puisque. Alors attendez, il faut que je retourne. Donc, la fille prodige, c'est fait. La fondésanté, c'est fait. Lui maintenant que j'ai une information, c'est bon. Vous avez découvert une forteresse, blablabla, trouvé une porte noire, vous avez parlé, voilà. Grand prêtre de l'église de Myrcule, donc voilà. Mais les prêtres et son successeur, Kelemov, savent peut-être ce qu'est Kelemov. Oh, t'es en train de me dire qu'il faut que je remonte. Aïe. Et aussi, bah, il y a ça. Mais il faut que j'aille dans le niveau inférieur. Donc maintenant que j'ai cette information, qui, semble-t-il, est assez importante.
Est-ce que si je retourne là-bas, dans le crématorium, je peux parler au prêtre et je peux avoir des infos? Alors, je viens de me renseigner du coup, parce que c'était un peu bizarre. Et il semblerait que cette zone-là, la zone actuelle, la forteresse du dieu de la mort, soit accessible un peu plus tard dans le jeu et que bah, j'ai fait un peu tout ce qu'il fallait pour le moment. Donc, c'est pas grave, on va sortir. On va sortir de cette zone et puis on va explorer l'extérieur du sentier de l'ombre. Et puis après, bah, on ira déjà finir une quête, du coup, qui incombe déjà à Kéline la colombe. Et puis, si je suis chaud, je pense qu'on ira combattre l'esprit de l'ours, tout simplement. Voilà. Oula, cette ouverture de porte était particulière.